Alors, le bouton principal, c'est le bouton valider. Ce bouton valider, quand je vais cliquer dessus, donc l'événement clic provoquera obligatoirement une recherche pour savoir si j'ai un taux de TVA 19,6 ou à 5,5. Ensuite, on devra chercher si la boîte zone de texte TTC est remplie. À ce moment-là, si elle est remplie, je dois renvoyer une valeur vers la boîte hors taxe. Et sinon, je fais le contraire. On regarde si la boîte hors taxe, il y a quelque chose. Et à ce moment-là, on renvoie vers TTC. Pour écrire le programme, ça va être très compliqué au niveau des instructions. On a une variable et on a ensuite une instruction à écrire. La variable, il faut la déclarer. Donc, dim me permet de déclarer une variable. Ma variable est ici et ensuite je lui dis qu'est-ce qu'elle doit recevoir. Si j'avais eu un tigger, ce serait des valeurs entières. Si j'avais eu string, ce serait des alphanumériques. La double, c'est des valeurs décimales. Maintenant, pour affecter quelque chose dans une variable, il me faut un signe égal. Ce signe égal me permet de dire que 120 est affecté à la variable TVA. Au niveau des instructions, on va utiliser l'instruction si, donc if. Si telle condition est remplie, je fais ça. Sinon, je fais autre chose. Et un if est obligatoire pour fermer cette instruction quand elle est sur plusieurs lignes. On va donc écrire le code dans valider. Valider, donc l'événement, c'est bien au clic sur le bouton valider. Qu'est-ce qui doit se passer? Alors, on met toujours au début des programmes le dimensionnement des variables du programme. Donc, dim, ma variable c'est TVA, as, double. Vous voyez qu'on a un menu déroulant qui nous permet de bien écrire les instructions. Ensuite, je vais mettre un commentaire. Le commentaire, c'est très pratique pour après dépanner son logiciel. Donc là, je vais dire que je vais déterminer, c'est l'étape qui va suivre, le taux de TVA. Alors, pour déterminer le taux de TVA, il faut que je teste mes boutons d'option. Donc, si mon bouton d'option OB 19 6, sa valeur, donc les points value, est vrai, donc égal vrai, alors la TVA sera égale, donc je vais mettre dans ma variable TVA la valeur de 1,196, on ne met pas de virgule, hein, c'est des points là, pour le basique, sinon, ben, c'est la TVA 5,5. Donc, ma TVA égale 1,055. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que TVA, j'ai mis en minuscule intentionnellement. Et quand je vais valider, vu que la variable est dimensionnée au début, elle reprend bien la forme graphique qu'elle avait ici. Et je finis par end if. Ensuite, je vais édenter mon programme. Ce qui me permet de mieux le lire par la suite. Voilà, ça me permet de savoir où commence le if et où il finit. Et je vais maintenant calculer le taux de TVA. Donc, c'est le calcul qui va être réalisé. Donc, calcul. Alors, pour faire le calcul, il faut que le programme regarde quelle est la boîte où il y a une valeur. Donc, je vais demander si TB TTC, donc de la boîte TTC.value égale rien. Donc, on met comme ça.
Alors, il fera la première action. Sinon, il fera la deuxième action. Et je finis. On va écrire à l'intérieur. Donc, si TB, TTC égale à rien, ça veut dire que TB, TT, HT égale quelque chose. Donc, pour connaître la valeur, pour mettre la valeur dans TB, TTC, je vais dire que TB, TTC, point value sera égal à la TB, HT, point la valeur, donc là il y a quelque chose puisque normalement il a testé, divisé par ma TVA. Voilà. Sinon, eh bien, ce sera le contraire, c'est la TBHT.value qui sera égale à TBTTC.value multiplié par TVA. Voilà, j'édente mon programme, on met un peu en forme. Donc je vais revenir à ma calculette, objet, et ce qu'il faut, c'est que les boîtes ici, de zone de texte, se remettent à zéro quand je vais écrire une nouvelle valeur. Pour cela, c'est-à-dire que quand ma souris clique dans la boîte, la valeur que j'aurai dans cette boîte et dans celle-ci doivent s'effacer. Donc, je vais sur le programme. Ici, on tombe bien sur TBTTC, mais on demande le change. Donc, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est que quand la souris descend, il y ait un effacement des anciennes valeurs. Donc, ce programme ici, je l'efface, ce programme que j'avais mis. Et je vais écrire, moi, mon programme dans ce sous-programme. Alors, c'est pas très compliqué, c'est que la valeur TB, TTC, point, alors là je vais prendre la propriété texte de cet objet, sera égal à rien du tout, et l'autre, TB, HT, point, texte, sera égal aussi à rien du tout. Voilà. Donc vous avez déjà deviné qu'on va faire la même chose pour l'autre boîte. Là, on a fait pour TBTTC. Donc je vais faire un copier-coller de ça. Je vais sur ma boîte. Je revalide. Et j'ai à nouveau TBHT change. Donc ça, ça ne m'intéresse pas. Je reprends mouse down. Je fais un copier-coller de mes instructions. J'efface celle-ci. On aurait très bien pu rapidement faire un copier-coller de l'ensemble et changer simplement le nom de la boîte.